Les gars, je suis parti acheter un ballon et je l'ai gonflé au max. Genre là, si je le gonfle encore, il explose. Il est dur. Ça va faire mal. Monsieur l'arbitre, j'ai besoin de vous. Oui, je suis là. Donc nous avons pris pour voilà pour cette émission, l'émission 1, la première émission, on n'était que 3. Deuxième émission, nous serons 4. Nous avons rajouté Gwen, alias l'arbitre, pour du coup cette émission qui sera bien évidemment munie de sang génial. Vous entendez bien? Un peu, un peu plus vers là, s'il vous plaît. Je crois qu'il JP n'entend pas bien, je crois. T'entends bien, JP, ou t'entends pas? bien? Essaye. Ok, non, Essaye c'est bon, il entend, je crois qu'il entend. Essaye. Calmez-vous, S'il vous plaît, monsieur. s'il vous plaît, Ne s'il m'obligez vous plaît, pas s'il à sortir le s'il carton. vous plaît. Ne m'obligez pas à sortir le carton. C'est magnifique. Faites maintenant mon carton. Ok. Calmez-vous. Vous allez pas finir la soirée. Il a le point serré. Vous allez prendre le rouge avant la fin. Je vous préviens. Je vous préviens. Je vous préviens. Il manque une ardoise. Il y en a une par terre. C'est bon, y'en a, ils sont là. L'ardoise, s'il vous plaît, monsieur. Ok, je vous explique. Et vite. Augmentez le son, on peut pas, il est au max le son, wesh. Bref, JP. Quoi? Celui. Je veux parler, mon là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Attendez, faut que j'explique plusieurs Dommage, choses. JP, que t'es foutu là avec Nina, tu sais pas ce que tu rates, elle avait l'air sérieux, tu pourras t'en vouloir toute ta vie, mon vieux. Elle trouvera un mec meilleur que toi, le c'est une est certitude. Il est étouffé, bordel. Ok, je sais pas, bizarre. Bref. J'ai plusieurs trucs à dire. Le dernier, celui qui est le plus loin de voilà du chiffre exact, se verra obligé de s'installer sur le mur. JP sera allumé par les deux. Tu veux pas les mots là? Ouais, bah j'ai rien à foutre. Quoi? Notre Gwen national, à peine tu rentres sur le terrain, t'es déjà hors jeu avec ton bide. Ah bah je le baisse. Pas un problème. Vous êtes? Non, mais baisse-le là-bas, je crois, au parleur. Du coup, malheureusement, ça fine. Et il s'est fait opérer d'un kyste anal il y a très peu de temps. Il avait un poil, bref, pas loin du trou du cul. C'est un kyste. Un truc dégueulasse. Enfin, un poil, bref, un truc dégueulasse. Du coup, il ne pourra pas se faire allumer le cul. Ce qui fait qu'on a dû trouver une alternative. Une alternative. J'ai trouvé une alternative qui est c'est vraiment que pas mal. Si c'est que, je peux, tu me permets, vu oui, que oui. c'est mon kyste. Oui, moi, oui, oui. Vu que c'est mon kyste, un des deux personnages ici... Au lieu de se manger des coups juste parce que c'est lui qui s'est trompé, il y en a un des deux qui va être mon cupidon. C'est-à-dire quand moi je vais me louper, au lieu que ça soit moi qui prends la balle pour JP pas... Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais bah j'ai rien à foutre. Monsieur, merci de vous lever et de faire comme chaque avant-match une minute de silence pour n'importe parti trop tôt. La minute commencera au sifflet de l'arbitre. Merci de votre compréhension. C'est vrai. Attends. Premièrement, ne parle plus jamais quand il y a un... Quoi? Ça m'énerve. Je veux pas les mots là. Ouais bah j'ai rien à foutre. Pas mal les bzéo, Wen. Comment ça, pas mal les bzés? Comment ça, pas mal les bzés? Et du coup, quand moi je perds, ça va être un des deux. On va se départager, je sais pas, avec un Timumba ou un Pierre ou une connerie. Il y en a un des deux qui va prendre à ma place. Si vous voulez, je peux départager, moi. Allez-y. Au hasard. Paintball pour sa fille. Jean Bormanov. Non. Paintball pour sa fille, ça peut être un bon allemand équitable. Non, regarde, pose ton téléphone d'ailleurs. Je sais pas pourquoi tu sors. C'est bon, elle te parle plus, tu peux le poser. Ferme ta gueule. Stop, laissez-moi terminer. Je peux même plus faire mon métier. C'est ta mère qui m'appelle, fils de... Je suis Hamdaoui. D'ailleurs, Hamdaoui, calmez-vous. On a tous des vêtements neufs qu'on vient juste de mettre. Je m'en bats les couilles. Ils sont déjà sales. Il s'est déjà sali. Deuxièmement, du coup, ce sera sur un Team Bombay, ok, entre nous deux, je pense. Et voilà, la sanction. C'est quoi, je voulais voir. Bah, je pense que le truc que vous voulez tous savoir, je pense que vous vous posez tous une question. Tout le monde a envie de savoir. Je sais que tout le monde, on se pose... Là, je vous dis pas c'est quoi la question, mais tout le monde a la même question dans la tête. C'est vrai. Tout le monde veut la même réponse. Je vais vous le dire. Oui, Nina a couché avec le mec avec qui elle a mangé hier. Oui. Voilà. On connaissait déjà la réponse. Voilà. Je sais que vous êtes tous un peu surpris. Moi, le premier. Malheureusement... C'est la fin entre JP et Nina, je tenais à vous l'annoncer. Elle m'a bloqué, elle a bloqué. Il n'y a pas eu de début, mais il y a une fin. Apparemment, c'est à cause de moi. Mais moi, je ne sens pas coupable. Je ne pense pas que je suis le coupable. Parce que apparemment, je l'ai... Pendant le live où il avait des gardes du corps, il appuyait sur le bouton. Apparemment, pendant 3 heures, j'ai fait que l'insulter. Et lui, il n'a pas assez défendu. Du coup, c'est de ma faute. Mais bon, moi les gars, j'avais une soirée à animer. Fallait que j'énerve le bonhomme pour qu'il clique pour moi. Et le seul truc qu'il touche, c'était Nina. En plus, ça s'appelle même pas Nina, donc bon. Bref.
Et en une soirée, elle a eu le temps de trouver un autre mec pour le lendemain. Toi, ferme ta c'est gueule. Du rapide. Toi, ferme ta gueule. Je parle si j'ai envie de parler. Ok. Monsieur Hamdaoui, calmez-vous. Nique ta mère, vous êtes pas loin du carton, vous êtes pas loin du carton. Je vous préviens, vous êtes pas loin du carton, monsieur. Du coup. Est-ce qu'on reste sur le système de vert, orange, rouge? Non, non, non. Et là, c'est. Là, instantané? Eh oui. Là, c'est un peu violent, mais. Ouais, oui, même oui. Moi, ça me semble un peu. Non, 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 non. Ok, pour le paintball, oui, il faut du vert, du truc, parce que non, paintball. Mais là, t'as pas touché le ballon. Ah, bah, on va. Ça va être pire que le paintball. Non, là, il est dur. Bon, ça me va. Regarde, fais des têtes. Fais des têtes, tu vois, Cyril. Fais des têtes. On n'est pas loin du caillou, mais ouais. ça suffit. C'est ce qu'il a fait une tête. T'as vu? Le son est cassé, je peux rien faire. T'as vu ou pas? T'as un tellement fort que j'ai du bon. Ça a sonné creux. Laissez-moi tranquille. Je voulais te montrer qu'il est ouais, dur. Non, laissez-moi tranquille. Je vous munis de votre. Attends, Team Mumbai. Attends, je regarde pas quand t'as dit pas je triche ou je sais pas quoi. De quoi? Team Mumbai. Bah, merci pour l'abonnement, Prisman. Kipé. Ah, c'est quoi? Avant. Ouais. Tu veux pas les mots là? Ouais, bah j'ai rien à foutre. Gwen, je t'aime, t'es le meilleur. Owen aussi, ah, Safine okay. aussi et JP, tu peux leur accrever avec ton sexe de la longueur d'un enfant. Ferme ta gueule, me parle pas. Merci pour le don. Merci beaucoup pour le don, merci beaucoup. C'est au moment quand t'as perdu, je suis le. Merci pour le sub. Safine aurait dû la baise avec sa grosse. Non, non, Safine par politesse, il a décidé d'arrêter de parler avec elle. D'ailleurs, je vais me placer là-bas, je vais tourner la caméra. Tout le monde se met en place. C'est bon? Oui, donne-moi mon ardoise. C'est bon pour vous. Prends ton ardoise toi là-bas et viens en échange. D'ailleurs, coup d'ardoise interdit, parce que c'est bon, j'en ai marre. Oui, ne commence pas à frapper. T'as pas de cité de. Oh. Allez, va là-bas, faut échanger. Ferme ta gueule. T'as pas Non, pas, s'il te plaît, tu veux commencer. Dégaine les cartons très vite, monsieur Formano. Monsieur Hamdaoui, calmez-vous. Je m'appelle pas. Calmez-vous. Jean Formano, vous graffez. Calmez-vous, monsieur Hamdaoui. Nique tes morts. Assieds-toi, allez. Prenez place. Nique ta mère, là, le gros. Pas de propos. Aïe, pas de propos grossophobe. Pas de propos grossophobe. Attention, monsieur Hamdaoui. Attendez, est-ce qu'on peut rajouter une règle? Ça peut aller très vite. Est-ce qu'on peut rajouter une règle? S'il te plaît, JP. Tu veux pas les mots là? Ouais, bah j'ai rien à foutre. Pas si je te tire là, c'est parce que c'est qu'il y a une raison. Merci pour l'abonnement. Bah te va bien. Regarde comment elle est comme ta caméra là. Je vais manger. On peut rajouter une règle parce que sinon il va pas respecter. Tu es grossophobe. Ça fait beaucoup pour un seul homme, je vous l'accorde. Les gars. À chaque fois qu'il met un coup d'ardoise, il faut qu'il y ait une punition. Moi, je propose un coco. Essaye de mettre un coco. Moi, à chaque fois qu'il met un coco. Et là, une ardoise dans la gueule, tu l'auras. Quoi? Bah, je te mettrai un autre coco. Merci pour le seum. Ah, il est bon, moi. Voilà, c'est elle a eu raison. Merci pour le seum. Pourquoi je lag? C'est parce que t'es trop nul tout seul. Bien sûr, oui, je suis trop nul tout seul. Tu serais actuellement sous un pont. Bah, je préférerais d'être sous un pont qu'avec toi, un clochard comme toi, gros fils de pute. Sous un pont, à zéro meuf, hein. Fous de la gueule. Ça chatte de tes moraux. C'est pourtant bien que je te dis ça. Tu veux recommencer s'il vous plaît? Parce que les alors c'est quoi le... Toutes qui, les émissions qui c'est les prend mêmes. La balle. Non, c'est à chaque... Si ça tombe sur moi, eh ben là on fait Team Mumbai. Ça va pas toujours être le même. Eh oui. Sinon j'ai une idée. Ouais. Pépita, je pense qu'elle peut encaisser... Oui, tu sais quoi, on fait un test d'abord on comme fait ça. On fait un test, on voit si c'est cool. Si les gens ils veulent Pépita, on prendra Pépita. D'accord. Alors... Carlito est là pour le mode des modes. Par contre, le golemant à côté, il peut éviter de dessiner tout le long comme un sac. Ouais, golemant là. Il peut rien faire de plus. La tête de homme, il va passer la truc à faire des dessins. Vous lui en demandez pas. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à faire. Après les pâtes à la burrata, Nina s'est faite bourrer. Comme quoi chaque plat cache bien un message. Je le savais. Ah, niquer ta mère. Mais ok. Bah niquer ta mère, la race des. Oui, c'est bon, calmez-vous. Ah, Starlito, gère le mode des modes, s'il te plaît. Je veux pas ouais, bah j'ai rien à foutre. Monsieur l'arbitre, après revisionnage de la VAR, merci de siffler et de mettre un carton rouge à monsieur Raphaël, s'il vous plaît. Et sa fine mettait un coco à JP, il a juré merci. Merci pour les dents, les refs. Bon, let's go. Alors, pas entendu. Vous avez dit que le thème de la soirée, toutes les questions sont portées sur le monde du jeu vidéo. En oui, fait, parce qu'en fait. On aurait dû rester dans le monde du football quand même, je trouve. Mais le problème, c'est qu'il connaît rien en foot. Il a aucune culture. Zéro. En jeu vidéo, il y a quelques trucs qu'il peut trouver. Vas-y. Alors, première question. Évidemment, toutes les réponses sont des dates, des chiffres, pour qu'on ait un plus proche et un plus éloigné. J'ai envie de tirer. En quelle année est sorti le premier jeu FIFA? JP. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Je crois savoir. N'en voulez pas à Nina d'avoir
Le mec hier soir, JP n'a pas été assez réactif, il préfère se branler. Oh, toute la soirée, il va avoir des dons, Nina, machin chouette, Nina ceci, Nina cela. C'est la commune qui décide. Attends, parce que ça peut être très, parce qu'il y avait PES avant. Non, il y a FIFA. Ah, par contre, personne regarde la réponse des autres. Oui, mais PES. Le premier qui triche, c'est moi qui m'en charge là-bas, je l'allume. FIFA, je pense c'est. Opération ou pas opération? Mais je triche pas, moi. Et j'ai pas de raison de tricher, je prends pas de balles. J'ai aucune idée, les mecs. Franchement, par contre, moi j'ai noté ça. Parce qu'il y avait PES au début, PES 2006, PES 2007. Par contre, il marche pas. Le premier FIFA. Et ouais, mais je sais pas, moi. Il peut avoir un FIFA et un PES en même temps. Jure. Oui, bah oui. Alors, tout le monde a répondu. Montrez les ardoises, s'il vous plaît. 1990 pour Monsieur Bormanov. 98. 98 pour Safine et 2000 pour Naruto. La réponse était 1993. C'est Monsieur Naruto qui va aller prendre une balle. Bravo, Monsieur Bormanov, vous êtes qu'à 3 années de la réponse. Combien 93? Ouais. FIFA, parfait, j'étais pas né. Amenez-la moi sur la chaise, sur le petit tabouret bleu roulé. Ça marche, merci. 2000. Mon repas est arrivé. En 98, frérot. J'ai commencé à jouer à FIFA, c'était... Oui, on s'en fout. Vous recommencez par raconter votre vie, Monsieur Hamdaoui. Devant le matelas, s'il vous plaît. Allez, prenez place. Ici. Voilà. Qui commence à tirer? Tu veux que je vas-y, commence. Allez. Tu veux. Tire. Ah ouais? Attends, de où? Attends, à rater. Ouais, mais. S'il y a loupé, c'est loupé. Merci. Ici. Je fais la ligne. Là. S'il y a loupé, c'est loupé. Attends, mais tu veux que je prenne la balle dans les mains? Non, mon repas. Oh, il a coupé au moins. Vas-y, mange après. Je vais manger ça, la fois. Ça sert à rien. Pas fou, c'est abusé comme il est. C'est gros là. Oh, si le ballon il rebondit sur la pizza, il y a bagarre. Alors, faites un beau dessin, monsieur Bormanov. C'est bien. Non, allume. Ah ouais? J'allume pour de vrai? Je veux tester. Ouais, ça fait mal. Attends, t'es dans la bûche, pas trop. Non, mais pas comme ça. Vas-y, j'allume. Non, mais ça va rebondir sur la caméra. Attends, faut que je me mette là. Parce que là, ça rebondit. Mais là, on voit pas. T'inquiète. Il va faire ça, il va casser l'appareil photo à 2000 euros. Jamais. Allez, vas-y. Ne te mets pas devant la caméra. Allez. Tu te dis. C'est bon? Pas pour rien. C'est bon? Vas-y, ta mère. T'es vrai? Ah non, parce que ça glisse. Oh, c'est moi en premier. Pourquoi ça glisse? Tu vas faire un soleil. Parce qu'il a renversé de là ici, monsieur Bormanov. Vas-y, frère. Reste dans le vrai pendant 2 heures, ma gueule. T'es trop bon. Nina l'a bien fait hier soir, hein. Oh mais moi j'ai pas eu des pâtes à la burrata. Vas-y. Allez. Alors. J'ai raté. Le gros, ça le glisse. Gros. Attends, faut tiens. Un truc, tiens mais tant mieux, ça met une difficulté. Tiens. Allez monsieur Bormanov. Faites-nous votre plus beau tir s'il vous plaît, oh, monsieur Bormanov. Toutes les fois où j'ai parlé Nina. Vas-y. Attention à ma pizza, monsieur Bormanov. Et n'oublie pas que je couche avec ta mère. Ouh. Alors au moins vous devez tirer avec la rage. Allez! Pas mal! Je te jure, franchement, tu m'as fait plus mal que Safine, il m'a tiré dans le mollet. Ok, par contre, ça fait mal à mort, il a tiré tout doucement, ça m'a fait mal. Vas-y, t'es vraiment une merde, vas-y, donne-moi une part. C'est pas en combien, non? Une merde. Deuxième question! C'est bon, tout va bien. C'est bon, quand tu me relâches comme ça? Allez, rentre dans le champ! Monsieur Hamdaoui, je vais prendre un carton! T'inquiète, t'es grand mort, gros. Calmez-vous! Je t'ai envoyé un truc dans la gueule, ouais, tu vas te manger un coco! Écoutez! Que la burrata est sortie par le. Ouais, vas-y, dis ta mère la race des putes, fermez vos gueules. Ta mère la race des chiennes, fermez vos gueules, bonne de. J'espère que tu seras une personne heureuse jusqu'à la fin de ta vie. Oh, mais je t'aime. Tu la prends pas, non ? Remercie la commune pour ces dents magnifiques. Bon, bah, les putes. Ils sont pleins d'amour. Ferme ta gueule. Attends que je récupère un truc, la boîte à menace. Bon, ferme ta gueule. Ah oui, c'est vrai. J'en ai pas marre de dessiner n'importe quoi, merci. Lunettes, attention! Coco! Ça devrait pas être. Ah, mais viens, Coco!
J'ai esquivé. Pendant que Nina se faisait défoncer en leu-leu, JP s'attarde à ne jamais respecter les personnes qui sont là pour te faire vivre. Ferme ta gueule. Bouffe du caca. J'ai encore fait une esquive. J'en prends pas. J'en prends pas. Les règles internationales de la FIFA ont changé. Ne vous approchez pas de ma FIFA. Nous désormais le code de la jungle maintenant. Veuillez respecter les règles, merci. Ta gueule. Burata Nina Miam. Ultra instinct. J'esquive tous les coups. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'en ai un peu. JP sale fils de pute, quand Owen maître a dit on écrit les réponses avec des dates et des chiffres, c'est pas le fruit des dates. Ah, menace. Personne vous touche. Menace. Moi les gars, ferme ta gueule. C'est vous qui frappe. Non, il sort pas, je me laisse pas sortir. Attends, il sort pas. Tu boxes un film? Non. Lâche-moi, ta mère la chienne. Les gars, nous en... Vous avez... Ne le laisse pas sortir, gros. Il me frappe. Moi, il me frappe pour de vrai. Mais moi aussi. Il met des vrais coups. Faites comme moi, esquivez, les gars. Faut être franchement. Je crois que je vais me mettre à la boxe. Nina, pourquoi t'as fait ça? Nina, c'est t'as pas détruit. Déjà fait. Imaginez un peu. Imaginez si ça aurait été sa vraie meuf. Mais wesh. Parce que là, c'est juste une meuf, il l'a vu une fois. C'est même pas son ami, tu vois, c'est une connaissance. Là faut quelqu'un aller le chercher, moi je suis méchant. Moi les gars, je vais le chercher si vous voulez, moi je suis méchant. Non, je vais y aller. Je vous jure, moi je suis méchant. Je vais y va prendre. Je vais y aller, et même bien moi. Joyeux anniversaire pour toi, c'est vrai, je t'ai oublié. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à qui? J'ai oublié son nom. Mais joyeux anniversaire joyeux à toi. Anniversaire, j'ai oublié ton nom. Merci mon ref. Je vois quitter de Insta, tu m'as dit tout à l'heure. Le thème frérot. Je vais le chercher. Je vais utiliser la carte de l'amitié. Salut Safine, salut. Bon, on fait quoi en attendant en jungle? Je suis trop énervé. Comment c'est le début? Comment? Viens en jungle. Pourquoi j'ai un beau fils pareil? Ok. Assis. Ça fait mal. Alors là, ça fait mal. Commence-toi. Attends, vas-y. Il a fallu péter l'écran. Naruto Radio Lock. Les gars, je te jure. Là, je suis arrivé à un stade où je suis à deux doigts de. De Bernabéu. Non, je suis à. Tu m'as engagé. Il est en pleine crise de nerfs. Le combo cigarette culture ne lui réussit pas. Et je veux pas le voir ici. Il est pas là, j'espère. Voilà. La tête de Juan, soit il vient dans le live, soit il bouge du local. Je veux pas le voir dans le local. La tête de Juan, je veux pas le voir dans le local. Parce que je te jure, on va s'en boucan pour de vrai. Il sort du local, vous dégagez dehors. Il va niquer sa mère. Il dort où il veut, il dort pas au local. Oula. Tu veux le voir où, t'as dit? Dehors. Est-ce que c'est le moment où genre t'es énervé et non, genre je te pousse à bout ou je te laisse tranquille? Non, mais t'arriveras pas de toute façon. Ah ouais? Bah je vais pas te pousser à bout. Tu vois comme il fait le beau? Tu vois comme il parle mal et tout? Ah ouais? T'as jamais vu ça de ta vie? Elle l'a brisé. Pour une meuf frère. On a oublié de vous dire, hein, il fume la cigarette électronique dans la chambre. Voilà. Tu vois pas c'est une grosse merde? Attends, clin d'œil mode footeux. Frérot, y a... Tu veux faire la photo moi aussi ou... Non, c'est, en fait, je t'explique. C'est un mec... Non, attends, je t'explique. C'est un mec, depuis le tout début du live, ça fait 6 mois, tous les jours, il me demande un clin d'œil et genre, il va faire une compile. T'as capté? Faites pas à lui, alors. Donc, tu veux participer? Vas-y, me fais un clin d'œil. Ouais, vous voyez pas, c'est une merde. T'as vu tous les petits allers-retours qu'il fait pendant les lives? On l'a pris en flag. Il va dans la chambre, il s'enferme à clé. Il fume 2-3 taffes de sa cigarette électronique avec nicotine, parce qu'il y a de la nicotine dans sa cigarette électronique. Il ressort et il revient. Sur TikTok, je vois c'est qui ça. De stagiaire. Bah, c'est moi, Safine. Je l'ai jamais vu encore la compile de. Oh, les stagiaires ici, je n'en veux plus. J'ai jamais vu encore la compile de clin d'œil. Je sais pas s'il a fini. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vois les nerfs, ils sont tendus. Oh,
soit on arrête le live, soit on remplace un golemont par un golemont. Et on met Bébita à la place. Ah, les nerfs que j'ai, tu sais pas comment il m'a là. Ah, mais là c'est nul, les nerfs ils sont tendus. C'est même plus à merci pour le sub. Mais en vrai, parce que là ça live sur sa chaîne, ça lui fait du revenu à lui, on travaille pour lui une fois de plus. Wesh, les frères, non, c'est trop une dinguerie. Voilà, frère, il pose son 3 heures sur une chaise, il a la vie de rêve que tout le monde veut avoir. Il gagne des sommes pas possibles, même pas vous dire les prix, les frères. Il gagne des sommes astronomiques et le mec, il arrive à se prendre une tête, à se prendre la tête pour une meuf, les frères, pour une meuf qu'il a vue une fois dans sa vie. Je sais pas quoi dire. Frérot, on lui dit. Il le bloque une fois par semaine. Pourquoi il est parti déjà? Il a fait quoi? Il s'est passé quoi? C'est même pas lui qui a pris le cul rouge là, c'est moi. Pourquoi il est parti? Non, il a fait une menace. Ah oui, la boîte à menaces. Il a juste à pas menacer. Il a juste à pas menacer. Le coco, je crois. Et on lui a dit, tu mets pas de coups de d'ardoise, ça fait mal. Il a mis des coups d'ardoise. Ah, et ben ça y est, moi, à un moment donné, frère. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il est parti pour fumer. Non, moi, c'est simple. J'ai eu une discussion avec lui. Là, il y a deux secondes. On s'est pris la tête, on s'est disputé. Je lui ai dit, vas-y, arrête de faire ta pleureuse. Viens sur le live. Et on fait le live. Non. Niquez vos mères, bande de fils de pute. Wesh. Tu vois, il parle comme ça et tout, hors live et tout, hors live. Insulte. Devant la caméra, on s'en fout, ça fait le. Mais wesh, là, il y a un coup d'insulte. Je lui dis, ben c'est simple. Tu veux pas revenir sur le live, tu rentres chez ta mère. Frère, déjà qu'on travaille pour toi, il manquerait plus qu'en live à sa place. Ils sont là-bas et ouais, encore. Non, frère, ça marche pas comme ça. WSH Gwen, je suis parti m'abonner à toi sur Insta. C'est quoi ce corps de fou que t'avais en 2016? C'est quoi ce merdier que tu nous as fait là? Putain, t'étais chaud. Je vais revenir, t'inquiète. Moi je préfère. Frérot, Borzung, tu me dis, ouais, Nani, t'es un bon, mais parle gentiment avec lui, il est un vieux. Oh, ça fait plus de 4 ans que je le connais. Je le connais plus que n'importe qui ici. Et là, il nous manque de respect pour une meuf. Oh, les... oh, vous vous rendez pas compte de ce qu'on fait pour lui, en fait, je crois. En fait, vous vous rendez pas compte tout le boulot. Oh, vous savez pas combien il gagne à rien faire. Vous êtes pas au courant, en fait. À rien branler. C'est le terme, c'est le mot. Il fait rien. Quoi? Non, frère, c'est pas normal. Et en plus, il se permet de niquer les rythmes des lives à chaque fois. Non, c'est mort. Ramener le PRCKWLH, c'est pas respectueux pour ceux qui font des dons, etc. Tout là, je travaille 40 heures par semaine, je me tords au table, je suis, etc. Et l'autre, assis 3 heures, il se plaint si c'est pour avoir reçu là. Il gagne. Oh, en un mois, il gagne que vos darons, ils travaillent plus d'un an pour l'avoir. On se rend compte, en un mois, il gagne plus que vos darons en un an. C'est fou! Bon, on fait quoi? Et le mec, pour une meuf de 27 ans, il a 44 ans, pour une meuf de 27 ans qu'il a vu une fois, qu'il se voyait déjà en couple avec lui, je vais prendre un appartement avec elle. Ah, c'est bon, ma gueule, c'est bon, frère. Il y a un mec qui t'a dit impossible, mon père il gagne 400 000 par an. Non, mais voilà, vous m'avez compris quoi. Pour la moyenne. Pour une personne au SMIC, c'est combien à l'année? C'est 15 000? 25, je crois. À l'année? Mais non, c'est 15 000 à l'année. C'est combien le SMIC? 16 000. C'est 1003, non? 1003. Ça gagne combien un mec au SMIC? C'est pas 1005 le SMIC? Pas d'Embre. 1004 et quelques? Non. 1003. 12 000? Bah, un peu plus que 12 000. SMIC, ça doit être 1003, entre 1003 et 1004. Bref, en un mois, il est fait facile. Les gars, si vous voulez des livres sans JP, tapez 1. Ras le cul de son comportement alors qu'il fait rien de ses journées. Bon, en fait, je comprends pas qu'il arrive pas. À comprendre, tout à l'heure, j'ai une discussion avec lui. JP, c'est pas grave, Nina. Ouais, mais j'ai arrêté de fumer pour elle. Oh, c'est pas déjà, pour elle, tu dois arrêter de fumer. Déjà, rien que cette phrase, frère. Je dis, mais comment ça, pour elle? Je dis, mais pour toi, frère, c'est toi qui dois arrêter de fumer. C'est toi qui dois avoir des dents, qui dois te faire opérer. Ouais, mais c'est un truc de fond, là. JP, impossible de parler avec lui, ça. Je veux pas les mots, là. Ouais, bah, j'ai rien à foutre. Ce clébard respecte plus les livres, ça donne des sommes astronomiques chaque semaine pour le soutenir. Il est jamais là. Va le choper ton beau-fils The Bee. Sinon je vais passer ma soirée sur toi, Owen. Je suis un humain. Je vous jure, je suis un humain. À force. TK, vous avez pourtant prévenu. Comment il parle de la bouche? Comment il parle de sa bouche? Je vais te niquer, fils de nique ta mère. Rien que les lives l'après-midi. Il s'assoit, il fait plus rien. À un moment donné, 44 ans ou pas, frère, t'as envie de lui en mettre une dans la tête, frère, faut dire les termes. Et la tête, donc, je m'en bats les couilles. Et là, je suis à ça,
de lui en mettre une dans la tête. Donc faut pas que j'aille le voir. Là, je peux plus. J'ai atteint. Vous avez vu le live de cet après-midi? Vous étiez là cet après-midi? On a fait un live de 2 heures. Il a dit combien de mots en 2 heures? On a animé tout son live. Non, mais en fait, il se rend pas compte de tout qui est fait pour lui. Le Kim et tout, moi, Mehdi et tout. Toute la journée, aller acheter. Et Warlock, c'est un fils de. Moi, je veux la tête, je le dis. C'est un fils de. Devant moi, il dit Nina, c'est une. Comment ça? Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Voilà, il nique sa mère. Devant moi, il dit quoi? C'est une. Elle me répond pas au message, elle répond à un nanan, il vient pour moi. Frérot, je regarde ses messages privés avec Nina. Ouais, je comprends pourquoi tu réagis comme ça. Toute façon, c'est de sa faute en parlant de moi. Voilà, c'est une pute. Voilà, c'est un fils de pute. Voilà, il joue sur deux tableaux. En privé avec elle, il me termine. Et devant moi, il insulte. Alors, je regarde ses messages privés. Le pas, il dit que c'est de ma faute. S'il se met pas en couple avec elle, il dit que c'est de ma faute. Wesh. C'est une dinguerie, frère. S'il vous plaît, faites le max pour le ramener sur le live. Je vous kiffe tous, mais sans JP, on rigole pas autant si on fait des dons et qu'on vous donne de la force si esti aussi pour le voir et se marrer. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Tu seras à sa place, je travaillerai comme un taré pour améliorer la chaîne et je vous serai reconnaissant à mort. Mais les gars, il sait même pas c'est quoi le concept. Frérot, gros, si t'as pas de dents, t'es vieux, t'as 44 ans. Quoi ? Et ta mère. Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Avec ton frère, tu peux venir. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Non, c'est pas les nerfs. C'est pas les nerfs par là. C'est bon, c'est trop la rage. Ouais. On a trouvé un nouveau JP, il a une chemise blanche. Non, JP, j'ai pas les dents. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Les gars, vous vous tuez pour une pleureuse aigrie qui ne sait pas reconnaître que c'est encore grâce à vous qui peut vivre. Lancez-vous de votre côté, s'il vous plaît. Mais frère, là on parle d'un mec. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Les gars, je sais à quel point c'est relou de s'investir avec un mec comme ça, mais sachez qu'on vous remercie de tout, on vous aime les gars et c'est grave sincère avec tout le chat, on vous suce. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Le problème est c'est que vous lui donnez tout ce qu'il veut, c'est normal, regarde, il a pas de dents, tu lui en trouves gratuite, il a pas d'argent, tu lui donnes 15 000 par mois, il parle à zéro meuf, tu lui en trouves, c'est normal. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! C'était quand même ouais, d'accord, rien à foutre. Problème. Owen, c'est normal, vous faites tout le taf pour lui arrêter de stream sur sa chaîne, y'a que le manque de moyens qui l'obligera à bouger, moi dans 5 heures je taffe faire du pain pour 1 600 €, ça il est gavant. Ah mais vous pensez que lui, mais demain il a plus d'argent, ouais, bah, il va vivre chez sa mère comme si de rien. Il a pas la maturité à son âge de comprendre qu'il faut pas construire sa vie autour d'une meuf, surtout une meuf qu'il a vue 2 heures. Il est bien entouré, il voit vous, il a sa famille, il a la thune. En plus c'est dingue, elle lui a envoyé un message. Il y a la première fois où elle a bloqué, elle lui a dit on est amis, on parle que en tant qu'amis. Il est venu me voir, il m'a dit c'est déjà bien, parle en tant qu'ami, après ça va fermer. Ouais, bah, c'est trop de films. Qu'est-ce que le ballon? Allez, on va tester le ballon. Ouais, salut les gars, depuis pas mal de temps. Non, moi, ça manque de violence. Non, même moi, j'ai besoin d'évacuer. Vise pas la tête. Non, t'inquiète. Juste mets-toi bien en pompette. Il y a avec le collègue derrière, il en va quand même rigoler, mais peut-être le prendre aussi. Non, j'ai besoin de peste. Perfait, je tire, voiture. Oh non, il va pas accepter après. Il va pas accepter. Il peut tirer, il a besoin d'évacuer. Évacue. Voilà, t'inquiète. Merde. Vas-y, t'inquiète. On est prêt. Non, c'est ça va, mais ça. Ah, c'est. Évacue. Oh. C'est pas de ce côté. Non, je reste carrément. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Non, le mur. C'est pas visé, c'est une dinguerie. Lavard. Le mur, il est mort. Ouais, sans les comme les frères, j'espère que vous allez bien. En vrai, c'est dommage qu'ils reconnaissent pas encore sa communauté. Je sais pas, 15 000 viewers, tu fais un effort. C'est trop bizarre. Dis-moi que derrière, y'a rien.
est-ce qu'il y aura. Vas-y, ta gueule, t'as 16 ans. Non, je rigole. Attends, mais faut que je tire, j'ai pas la chaîne. Il a raison. T'as raison, petit frère. Il a dit quoi? Il a dit ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est juste qu'il a une boîte de. Vas-y, souris derrière. Merde. Non, je rigole, merci frérot. Vas-y. Non, oh, vise bien. S'il te plaît, vise bien. Mais c'est bon. T'es trop nul. Prends les toi. Ah, c'est une dingue. Tu touches. Tu peux faire, moi? Bah, t'es un carnage. J'arrive pas. T'as chier. Moi, j'essaye. Non, toi, t'as trop une grosse frappe, fais gaffe. Non, mais ça fait raison. Oh non, en plus, arrête. Quoi, je vous jure, il est mort. Attends. Mais avant, oh, il a une frappe de B. Il a une frappe de B. Attends, on voit pas. On voit pas. Non, t'as raté. Donne. C'est dur, t'es un bon cobaye. Ah, juste prends pas le mur. T'inquiète, moi je suis pas un mec qui rate. Moi je suis pas Owen. Moi j'ai peur que le ballon il revienne et qu'il tape le. Non. Oui, juste protéger l'écran. C'est bon, je suis là. Tu l'as touché? Ça va. Ouais, bah oui, j'ai touché. En vrai, y'a pas assez d'élan pour que ça prenne pleine puissance. Oh, on fait quoi? On continue le quiz ou pas? Bah, en fait, le mur il est. Les viewers, vous voulez quoi? Ouais, soit on coupe, soit on continue. C'est vous, de toute façon, c'est pour vous, c'est vous les stars. Ah. Si on continue, c'est pour vous. Non, vous nous dites, moi. Par respect, c'est normal. Arrête de l'ouvrir. Arrête, non, ne casse pas. On continue, je crois qu'ils veulent qu'on continue. Attends, j'arrive avec les autres matériaux. Ramenez-le. Non mais les gars, il veut pas, c'est pas là. Frère, on va pas le forcer. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. En ça, vous voulez pas organiser un foot sur Nice avec nous, Gwen? J'ai bien envie de te on mettre quelques petits ponts et sa fine, t'es vraiment bas de long, je t'ai vu en ville, sale perche. Oh, on va le faire, on va organiser un five contre les abonnés. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Vous êtes trop chaud les frères, je veux trop faire business avec vous, y'a pas plus fort et plus malin. Bon, moi je suis pour qu'on continue. De toute façon, c'est pas moi qui prends les balles. Bah allez, on continue alors. Hein. Ouais, bah alors tu joues. Non, Kim. Non. Pourquoi? Non, tu joues. Mais non, les questions et tout. Bah, non, je veux j'ai préparé les questions, quoi, je connais de tête. Je connais les réponses de tête. Ça va, essaye de lire des questions, frère, c'est pas un goleman. Mais je connais les réponses de tête. Arrête de mentir, tu les as écrits, je t'ai vu de mes yeux. Tu joues. Ouais, bah je vais attendre. Combien de fois j'ai demandé qu'on m'aide m'aider acheter des habits, m'acheter des clopes, prêtez-moi ta voiture, accompagne-moi au laser, faire lunettes, à ex, etc. Et maintenant tu t'étonnes. Force à versus. Eh oui. Non mais en fait, hier on n'a pas live. Quand il était chez ses parents, mais hier, il a pas live l'après-midi. Pourquoi on n'a pas live l'après-midi? Parce qu'il a fait ses petits caprices, il voulait sortir, il voulait s'acheter des vêtements. Je suis sorti, je lui ai acheté ses vêtements, on est sortis ensemble. Il est sorti à droite, à gauche, il va faire le laser, il veut ci, il veut ça. En fait, c'est ma faute. Voilà, je devrais le laisser dans sa galère, ce fils de pute. La vraie vérité, c'est ça, en fait. On va prendre un frère. Quoi? Je veux pas les mots là. Les nerfs, ils sont tendus. Faites ta chaîne avec Safine et le frangin. C'est vous aurez 13 000 balles à vous partager. Et c'est la vraie récompense du travail fourni. Ça devient chiant, ces comportements. Faites visiter le local. Je lui ai dit, je te laisse ma voiture. Frère, il a tout. Ouais, ah, mais déjà ça. Fils de pute. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Juste un pourri gâté, c'est un fils de pute. Il vit pour une meuf. Les gars, il se réveille, il est aigri parce qu'elle lui répond pas. Il n'y a que des gens qui travaillent. Oh, la tête d'homme. Oh, c'est dingue. Oh, on lui donne 400 euros par mois. On lui donne 400 euros par mois. Il n'a pas été payé encore. Sa première paye, elle arrive. Il ne va pas toucher grand chose. Bon, il va toucher un peu plus que les autres, mais il ne va pas toucher grand chose. Tous les mecs ici, il y a un mec qui vient faire le nettoyage tous les jours. Il gagne 400 euros par mois. C'est lui qui nettoie toute la merde des locaux, toute sa merde, sa chambre, etc. Il gagne 400 euros par mois. Il y a que des gens, voilà, qui gagnent pas beaucoup, qui charbonnent, on charbonne tous. Tout le monde charbonne plus que lui. Celui qui travaille le moins, c'est lui. C'est lui qui gagne le plus. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas comment. Non, c'est vrai que c'est dingue. Là, ça a pris des proportions énormes. Non mais 400 euros, les gars, parce que c'est pas. Il fait rien, oui, juste parce qu'il apparaît sur quelques. Il apparaît sur les lives. On paye sa prestation de 1h30. Enfin, ouais. Pas... 400 euros pour participer à des lives, c'est cool. C'est énorme. C'est bien. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que cet homme-là, qui est un très très bon animateur et très rigolo, ouais, et pas pour te sucer. Merci. Attends, regarde un peu vers là-bas. C'est bon, c'est mon nouveau JP.
il gagne rien. Là, on va lui... la vérité, on va prendre un peu de la paye d'Owen, de la mienne et celle de JP pour donner à. Mais en vrai, moi, l'argent, je m'en bats les couilles. Non, mais attends, parce qu'attends, et attends, il y a des trucs à trucs. Ça va faire. Depuis l'appartement, j'ai pas touché un salaire. Ouais. Mon premier salaire, je l'ai touché là le 13. Mon tout premier salaire. Parce que tout a été investi dans le local. 1008, j'ai touché. Ouais. Voilà que c'est la vérité. Tout. Hein? Un shot. Je suis entendu. Ça fait 5 mois, j'ai pas de salaire, Zubby. Je vis sur la carte des donations et je peux pas tout me permettre. Je peux juste mettre l'essence, m'acheter à manger. Là, j'ai eu des sous là le 13. Je me suis acheté des vêtements. J'avais 1008. Il me reste plus beaucoup. J'ai payé le monteur vidéo. C'est une idée, frère. Et frère, ça touche des sommes de ouf à côté. Quoi? Mais bon, frère. Je veux pas aller, mon frère. C'est trop. Tiens, 4 euros pour toi, Gwen. Merci, Humoury, t'es un frère. Non, mais en vrai, on parle beaucoup d'argent là, mais on s'en bat les. Tous ici, on s'en bat les coups de l'argent. Vraiment, c'est le. Ça passe en. À chaque fois que les gains du mois ils arrivent, d'abord on regarde. Qu'est-ce qu'on doit faire comme travaux? Qu'est-ce qu'il nous manque comme matos? Et après, ceux qui restent, une fois qu'on a tout acheté, ils se le partagent entre eux, tu vois. Parce qu'on s'en fout, parce que pourquoi? Parce que nous, on est conscients de la réalité. On sait qu'on a de la chance, c'est de ne pas avoir un travail où on doit se lever tous les matins, aller dans le froid, au chantier ou quoi, se niquer la santé. Parce que c'est ça, le quotidien, en vrai. Et il paye rien. Le loyer. Le quotidien d'un Français, aujourd'hui, à part quand t'es au chômage, etc. Mais bon, c'est pas éternel. C'est de faire pour la plus grande majeure partie, c'est faire des travails de. C'est pas bien payé, c'est ingrat, tu vois. Je veux pas dire des travails de merde parce qu'il n'y a pas de travail de merde. Tiens, encore 4 euros. Et. T'es un monstre. Et il paye 0 euros de sa poche. Le loyer, c'est payé par une marque. Et ça, je lui dis tous les jours. Moi, je lui dis tous les jours. Tu ne. T'as la chance de pas devoir te lever le matin. J'ai nourri. Tu participes même pas au concept. En fait, il se lève à l'heure qu'il veut. Il doit juste être là. On lui demande maintenant à 17h d'être assis ici, de jouer à Fortnite pendant 2 heures. Et après, il fait ce qu'il veut jusqu'à 21h. Et vers 20h45, 21h, être ici jusqu'à minuit. Quoi? C'est tout. 6 jours par semaine. C'est tout ce qu'on lui demande. Après, j'ai un contexte de fou, essayez de trouver le sosie de JP, mes copier-coller, vous les faites livres ensemble, puis après vous trouvez vos sosies après livres à 6. Bref. Ouais, les gars, on passe une annonce. Du coup, on cherche de préférence un mec de Metz. Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Tiens, Gwen, 4 euros, je double la mise si tu GG un V1 sur WoW. Mais c'est sûr que je t'allume un V1 sur WoW. Sans prétention. Je crois que je vous prends tous. Non, non. Impossible, je perds pas les 1v1. Moi aussi. J'éclate tout le monde ici en 1v1. Oui, sur WoW! Sur LoL ou quoi, vous m'éclatez. Sur Fortnite, vous m'éclatez. Mais sur WoW, je vous prends tous. Non, impossible. Mais c'est moi qui a plus de cotes. Attends, écoute, attends. Pourquoi t'as plus de cotes? Ouais, dis les termes. Vas-y, pourquoi t'as plus de cotes? Parce que je suis le meilleur rogue de tous. D'accord. Merci pour le sub. Je suis le meilleur rogue. D'accord, non, c'est pas parce que t'as joué avec 2 Russes en 3v3, vous étiez 3 rogues. Et alors, non, parce que c'était la méta. C'est vrai qu'une fois, il était dans le top classement européen d'arène de WoW, pour ceux qui connaissent. Parce que. C'était le début de la saison PVP de Shadowlands. Et les classes n'étaient pas encore équilibrées. L'extension venait de sortir. Et il jouait Rogue. C'était ultra cheat pour ceux qui s'en rappellent. Il était Rogue lui aussi. C'est la même chose. Mais je te casse le cul en V1. Mais moi, un V1, je prends n'importe qui. Reviens pour les PP, s'il te plaît. Allez, venez. Ce soir, PP. Allez, ce soir, League of Legends. Faut que j'aille la descente, je suis dans le jardin des îles, Emily veut me oh, mais c'est embêtant. Là, je suis trop indécis, j'ai le nuage en jambon.